Salut à tous, petit flash info du Pangolin Circus, le média des entreprises d'Auvergne en péril. Alors voilà, j'ai fait un petit tour ce matin sur site du gouvernement pour voir où en étaient les lits en réanimation, les entrées à l'hospitalisation dans le Puy-de-Dôme. Donc 208 personnes en hospitalisation, 18 en réanimation, un de moins qu'il y a 5 jours. Le vin en est à 19, sachant qu'il nous en envoie de Saint-Étienne, sachant qu'on est, j'ai vérifié, 656 643 habitants. Dans le Puy-de-Dôme, donc 656 643 habitants, 18 personnes en réanimation, 208 en hospitalisation qui sont entrées, une personne donc en réa de moins qu'il y a 5 jours, et c'est hallucinant. Restrictions, couvre-feu, ils sont en train de parler de mettre le couvre-feu à 19h, de nous confiner le week-end, je répète, 18 entrées en réa, 208 hospitalisations du Covid-19, 80 morts depuis le début de la pandémie, mais bizarrement ils parlent plus de pandémie, maintenant ils parlent d'épidémie, c'est bizarre, ils sont en train de revoir un petit peu la copie, peut-être qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils vont commencer à avoir du sang sur les mains et qu'il va peut-être falloir revenir en arrière et avouer leur connerie, parce que là ça va être dur à expliquer quand le jugement dernier va arriver. Voilà, c'était juste un petit flash info pour vous tenir au courant. Il y aura des flash info tous les jours, en tout cas dès qu'il y en aura besoin, pour informer des vrais chiffres et de ce qui se passe dans les réalités. Point barre. Ciao. Bravo le pangolin circus. Bisous à tous, portez-vous bien.